Hey, petit, tu te souviens de moi? Ouais, viens voir par ici, petit. Ouais, tu te souviens de moi? Tiens, regarde, c'était comme ça avant. Et aujourd'hui, je reviens. Je reviens tout différent, mais tout pareil. Oui, on retourne dans God of War, quelle joie. Il n'a pas rajeuni de vieux, là. Et on va revoir la différence profonde qu'il y a entre cette version PC, qui est prétendue tant aboutie, et puis la réalité, tout simplement. Oui, j'ai fait des grandes pauses tragiques, c'est important. Regardez-le comme il est digne. Alors, petite spec technique, on y va? Ah oui, on va farfouiller un petit peu dans les menus, ça fera bien. Que du standard, que du standard. Pardon pour le nez qui est un peu encombré. Que du standard. Alors, il faudra que je fasse la balance après pour que le son du jeu soit quand même bien. Display, on y est. Ça, c'est en full screen, mes caillettes. Pourquoi tu veux pas me le mettre en. Oh, bordel de. Mais alors, on va pas être copains, quoi. Fallait bien qu'il y ait un truc qui merde, sinon c'est pas drôle. Alors, borderless. Et sinon, je dois windowed. Et là, je peux changer la res. Ok. On va tenter un truc. Hein. Hop. Moi, je devrais en 1920. Mais. Et bordel de. Mange tes ours. Je peux pas l'avoir en full screen, nom de Dieu. C'est quoi ce bordel de. Hop. Si je vais être désagréable dans pas très longtemps, oui, il y a des chances. Ah oui, je voulais le passer en 1080p, parce que c'est le format dans lequel sont encodées les émissions, histoire d'être peinard, et qu'on ait quelque chose de très propre, de très fluide à la fois. Ça, on s'en fout hein, pour l'instant, on va dire. Bon, tant pis pour moi, mais c'est bizarre. Je vais pas rester dans cette res, du coup, parce que moi, sur le jeu, à mon écran, à moi, ça me le fout en réduit. On va y arriver peut-être un jour. Il peut pas choisir d'après ma config. Non, il faut que. Bon, ok. Bon, on va là-dedans, les gars. Hein. Il y a que les shadows dont on se fout un petit peu, quoi. Non, je peux pas tout changer. Oh putain, faut passer en custom. On va voir ce que ça donne en ultra déjà, je suis très curieux. C'est garder, photo mode, magnifique. Et accessibilité, petit sous-titre pour nos amis. Bon, on y reviendra plus tard, c'est pas grave. Langage, ça pourrait aider. Yes, le français. Yes, le français. And yes, le sous-titre pour les gens qui ont besoin. Et voilà, on est bon. Bon, on y va. Ah bah, pas que ça à faire. Donc, nous y revoilà, God of War, version PC, version QHD, donc dirais-je, avec tout en ultra. Je viens juste de check les options. On va voir ce que ça donne, si ça tient bien. L'enregistrement, lui, devrait arriver à tenir à peu près le 1080p, on va dire, 30 sur 60 peut-être, si vous êtes sage. Enfin, si OBS fait pas de la merde. Go! Vu que je l'ai déjà fait une fois, je me rappelle plus du tout dans quel match je l'avais fait, et je pense que je vais mettre un coup de hache pour signifier que nous allons démarrer cette partie. Je laisse. Le héros s'exprimait pleinement. Souci de pad.
ça va chier au royaume de qui tu veux. Monsieur Kia est de retour. Et il est pas content. Alors les balafres sont pas situés aux bons endroits, mais vous imaginez que je suis bien vénère moi aussi. Donc, opération Hachi Parmentier dans God of War, ça va être... jouissif. J'en ai trouvé. Ah, le voilà, le fameux, le bien connu, le enfant. Ça, ça avait été un gros doute dans la découverte du jeu, parce que tout le monde se demandait, est-ce que ce mioche va être aussi lourdingue que le mioche tel qu'on le connaît par définition? Et du coup, en fait, non. On a tout vite compris qu'il était vraiment intégré au jeu, il n'était pas là juste pour les lourdeurs et l'instant larmiche qui serait casé inexorablement à un moment dans l'histoire. Et l'aventure s'est plutôt pas mal passée. Alors j'avoue que là en QHD, ça poutre. Je suis vraiment triste que vous n'ayez pas accès à ce que je vois. Atreus. Allez, je vais vous raconter une histoire parce que... ça suffira. Je sens que vous avez envie que je vous tienne le crachoir. Père ? Quoi ? Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Bah allez, on va s'amener la bûche à la maison. Hein ? Parce que Kratos, quand il a fini de bosser, il fait quoi ? Il garde la cheminée, bien entendu, c'est connu. Oui, garder la cheminée, ça fait partie des tâches du mal. Et en plus c'est pratique, regardez, quand il tombe des cordes, je peux m'abriter sous mon tronc. Et si ce mioche me gonfle, alors je vais pas vous décrire ce qui se passera, mais vous avez une petite idée. En tout cas, je disais, oui, c'est très très joli en QHD. Il y a un léger tearing, parce que mon écran suit peut-être pas dans les fréquences, je sais pas. Mais niveau rendu, c'est impressionnant, comme la première fois quand je l'avais découvert sur la PS4 Pro. Alors est-ce qu'on va avoir l'effet neige aussi? Oui, ça c'est le truc que tout le monde a essayé en arrivant dans ces zones-là. C'est de piétiner la neige pour voir ce qui se passe. Et on se rend compte qu'il y a des trucs assez rigolos. Bon, pour l'instant on peut pas trop, on en est vraiment au début, aux prémices. Et moi j'aime couper le bois quand l'hiver vient. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent.
Elle est prête. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. Il t'a appris à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Personnellement, il y a un truc qui me chagrine un petit peu. Alors, le rendu est vachement chouette. C'est lié à la résolution, bien entendu. Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne. Mais il y a un petit truc que je ne sais pas, faudrait que je vérifie si j'avais encore une PlayStation 4 Pro sous la main. Il me semble qu'en fait l'image est beaucoup plus filtrée sur la version PlayStation que sur cette version PC qui pousse en avant justement la finesse du rendu. Et c'est assez étrange, moi j'aimerais pousser en fait l'anti-aliasing un cran plus loin pour que l'image soit moins nette. Et que du coup, tout s'intègre de manière beaucoup plus naturelle et coulée. On se fait l'instant neige ? Non, elle est pas assez profonde, celle-là. Bizarre, il me semblait que dès le démarrage du jeu, on tombait sur des bonnes couches de puff. Bon, enfin... Encore des traces ? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula ! Et maintenant ? Par ici, Atreus. Hop ! Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici ! Thank you.
Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Oui, donc je disais, le rendu, moi je le trouve vraiment, vraiment très, très, très ciselé en fait, hein, c'est le terme exact. Et j'aurais préféré quand même qu'il soit un petit poil. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Qu'il soit un petit poil plus smooth pour qu'on puisse s'amuser un peu. Oui, alors le Y, la touche qu'on a tous oublié pour pour pouvoir rappeler la hache. Et au début, on ne fait que la balancer et on oublie trop souvent de la récupérer pour pouvoir la relancer. Maintenant, il va se méfier. Ah, sale gueule, c'est encore ta faute. Vous voyez, les enfants, les parents commençaient quand ça bulle la veille. Je te dis que tu peux tirer. Ouais, ça aime pas qu'on se parle fort et puis ça aime pas qu'on le contrarie. Soit meilleur. Ou moins pire. Trouve le. Oui, le rapport père-fils. Ce rapport complexe et délicat à la fois. Il y aurait des livres de psy à faire avec ça. Ah, ma roulade, va falloir que j'en trouve ma roulade, les filles. Ah bah, non, l'esquive, c'est pas ça, Coco. Hein. Ça fait du bien. Il s'aventure pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Avance, le mioche. Je regarde s'il n'y a pas un bonus dans le coin. Non, il n'y a pas de bonus dans le coin. Étoile mort, qu'est-ce que t'as à dire? Rien. Je suis très pressé qu'on arrive sur du vrai bestiaux. Et vous savez très bien de quel combat je parle. Oui, il y en a un qui a marqué tout le monde dans le devoir. Ouais, je peux le spoiler. J'avais oublié ma hache, vous voyez, ça le fait. Il y a un combat qui a marqué vraiment tout le monde qui s'est essayé à ce God of War. C'est celui qui se déroule à la maison quand on rentre, après avoir baroudé un petit peu dans le coin, et rencontré quelqu'un de fort sympathique, qu'on ne devrait plus trop tarder à rencontrer d'ailleurs. Et... c'est le combat contre le personnage principal qu'on va croiser dans ce jeu d'ailleurs. Il est entré dans le vieux temple, mais maman m'a dit de jamais y aller. Qui est juste mythique en fait. Plaît, Atreus, sans exception. C'est du John Woo version God of War. Je suis pas certain que la référence John Woo soit la meilleure, mais bon, vous avez saisi l'idée. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Ouais. Tu peux l'atteindre d'ici. Bah, je vais prendre un petit rond. On devrait se rapprocher. Il fait froid dehors. Il est sage, ce mioche. Je me demande si c'est mon fils.
Ougle. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Ah, j'ai pas vu lui. Il faut que je retrouve mon... Oui, mon bouclier. Parce que mine de rien, au début de la parade, ça sert beaucoup. Comme disait maman, kill it with style. Oui. Elle s'ouvre. Elle se referme aussitôt. Et maintenant? Tu l'as figé. Pas bête. Hop hop hop, bonus. Alors je sais pas quand je diffuserai cette émission. Mais cette semaine, c'est rigolo. Je suis tombé sur une émission de Silence on joue, les collègues, qui était très intéressante parce qu'il y a eu un petit passage où ça parlait dans les jeux. Bah c'était dans quoi? Dans la review de Solar Ash qu'ils ont fait. Où ça parlait justement dans les jeux de cette façon que les joueurs maintenant ont naturellement, quand il y a un grand chemin, qui est le chemin principal, naturellement, vous allez voir le petit chemin à côté pour récupérer le bonus qui est certainement planqué dans le coin. Et c'est devenu une mécanique dans le jeu. Il y a eu une petite conversation entre les différents journalistes de Silence on joue, qui était vraiment intéressante, même si ça n'a pas creusé le sujet vraiment plus loin, mais qui mériterait justement que... qu'on s'y étale un petit peu. T'as pas le feu, t'as. Et du coup, oui, c'est très très rigolo parce que les développeurs, quand ils fabriquent les jeux, ils savent très bien que le joueur n'a pas envie de se contenter que d'un endroit. Et il aimerait beaucoup se perdre un petit peu inutilement. Et si ça peut être utile, c'est-à-dire rapporter au moins un petit bonus gratifiant, il sera très très heureux de... d'avoir fait son détour, tout simplement. Alors ouais, il y avait la blague de ça. Je me rappelle plus trop comment ça fonctionne. Aucun intérêt pour moi sauf un bonus. Et il y a ça qui sera certainement plus efficace. Oh, et ça a dû ouvrir un truc de l'autre côté. Ah, je peux toujours pas courir, les amis. Non, parce que c'est gênant. It's annoying, comme on dit. Cette petite foulée est sympathique, mais elle n'est pas digne d'un grand guerrier bourrin. Alors, est-ce que c'est très plaisant de revenir jouer à God of War? Oui, et alors l'avoir sur un PC... Même si j'imagine que sur une machine qui a plus de 3 ans, ça commencera à montrer quelques faiblesses ou exigences, c'est quand même très plus. Par ici. Oh, regarde, c'est Scoliati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut?
qui se passe ici à la fin. Il dévore le soleil et la lune, et après ça, tout le monde se bat. J'aime pas les boîtes. On va continuer de tracer dedans. Je vais pas faire un run où je me taperai spécifiquement tous les bonus. Je vais avancer tranquille dedans jusqu'à ce que je sente que le bonus est un truc qui va peut-être me manquer. Mais l'idée c'est de faire le moins de détours possible, de tracer un peu vu que j'ai déjà fait le run complet du jeu. Sur la PS4. Là je vais dire on prend parce qu'on est au début quoi. Et qu'il va falloir vite s'augmenter puisque les combos que Kratos a pendant cette aventure sont assez fantastiques. Il y a des chouettes trucs. Père, regarde. Attends mon signal. Détends-toi, essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible, vide ton esprit. Détends ton bras et inspire. Expire et lâche la corde. Oh, je l'ai eu. Bien. Il est encore en vie. Ton couteau. Ah, c'est comme un couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. Mais si, c'est comme un couteau, je te dis. Quand tirer.
Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne! Atreus, regarde-moi! Regarde-moi, Atreus! Atreus, regarde-moi! Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas... prêt. Je suis prêt. Je ne veux plus t'entendre. Ah, le bon vieux journal. Tu es trois trolls, tu es six trolls, tu es dix trolls. Oui, bon, bon, ça c'est les trucs annexes, ça va pas manquer. La carte qui va se dévoiler petit à petit. Les compétences qu'il va falloir améliorer pour choper du combo. Et notre armure qu'il faudra augmenter tant que faire se peut. Avec des protections qui sont, je crois, à la fin légendaires ou un truc comme ça. Bon, bah, on va s'équiper, les gars. Non, mais celui-là il est très bien. Oui, alors il faut rajouter des enchantements sur les trucs et tout. Je perdrai du temps hors ligne, hors stream avec ça. Je vais pas vous manger le chou. Voilà. On va faire le tuto jusqu'au bout, il me l'impose. Wing. Magnifique. Qu'est-ce que je peux augmenter vite fait avant qu'on enchaîne ici? Ah oui, forcément, c'est mieux. Hop, emplacement, je crois pas que j'ai encore des gemmes. Ouais, j'ai pas de gemmes. On s'en doutait un petit poil. On va changer de kilt parce que celui-là est vraiment très crade. Hop là. Et finalement, chance ancestrale. Hein, qui peut être augmenté juste avec un emplacement, je présume, pour l'instant. Ok. Arme. Ah, il me propose déjà du up. Qu'est-ce que c'est? Poignée de hache rudimentaire en bois. Ça se prend, hein. C'est toujours mieux qu'un coup de pied dans... vous connaissez l'expression. Ça, c'est avec... Voilà. Alors, j'ai droit à tout ça déjà, d'emblée. En fait, la valeur est la même, mais il y a juste le visuel qui change. Ok. C'est très joli, ça, ça fait très grec, non? Ouais. Je vais prendre un truc triste, un truc goth. Ça, c'est... Voilà. Pourquoi j'ai encore un truc en armure? Ah, là-haut. Oui, le petit, il faut le protéger un peu. J'avais totalement oublié. Je me rappelais plus que c'était son aventure aussi. Je suis pas désolé. Allez, petit, tiens. Ouais, ça c'est... Là, c'est mieux quand même. Hein? Allez. Bonne route, petit. Allez, comment ça, tu vas me suivre tout le long? Ah, purée, c'est obligé, ça, les gars. Et les mecs, y a pas un DLC où... Moi, j'aimerais bien exprimer ma maturité avant les pads, quoi. Et ils m'emmerdent, ce mioche, dans les pads. Regardez-moi ça. Il me sert même pas à grimper. Il peut pas me faire la courte. Il est purement inutile et encombrant. Bon, il tire un petit peu l'arc, c'est sympa. Mais c'est pas lui qui les dégomme, les bestiaux. Non, 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 regardez. C'est Bibi.
Alors, on va commencer à faire un petit peu du combo un peu sale. Désolé, pas désolé. Attention, ça pique. Ah, joli esquive, bravo, magnifique monsieur. Ouais, mais la flèche plus... Ah non, tu peux pas, test. Bon, va falloir que je me mette au point pour retrouver ce combo de... Dis donc, le mioche, tu me tires pas dans le dos. Ce combo d'étourdissement qui pourrait m'être bien utile. Je crois qu'on pouvait monter là-haut, ouais, c'est ça. Et là, il y a un blason maléfique qu'on ne peut pas rompre. Si, t'arrives peut-être. Toujours pas à ouvrir les portes, hein. Bah non, c'est des gros, ça. Rien dans le cerveau, tout dans les muscles. Alors, je vous rappelle que, comme dans tous ces jeux-là, c'est intéressant de... Péter le mobilier, oui, pour chercher des bonus en plus. Et au début, on en a beaucoup besoin, parce que vous allez voir que débloquer toutes les possibilités qui sont offertes à Kratos, ça va demander un peu de temps. Beaucoup. Ouais, beaucoup de temps. Une quinzaine d'heures de jeu. Comment ça, je vous donne pas bon espoir? Mais si, soyez positif, comme vous regardez. Hop là. Ah, un peu sale, ça. Salut. Ah, un peu sale ça. Ouais, désolé, t'as ripé. Attendez les gars, j'en ai une autre de blague à vous dire. Oh, j'avais mon R3, je suis dégoûtage. Je vais me venger sur toi, gros. Bitch. Alors, je crois qu'il n'y a qu'une façon de s'en débarrasser comme il faut. C'est le bisou crack. Hein, c'est ça. Enfant, aide-moi, enfant. Oh. Ah oui, c'est ça. Faut contrer. Ah, à main nue, ok. Ah, je veux bien aussi, hein, ça m'amuse. J'avais complètement zappé. Donc oui, il y a des ennemis sur lesquels il va falloir s'adapter. Oh, désolé, je voulais me finir comme il faut. Et je t'ai dit de te taire. Oh, je t'écoute pas, le mioche, de toute manière. Mais oui. Il y a des ennemis sur lesquels il va falloir adapter un petit peu la stratégie d'approche, parce que le bourrinage, ça fonctionnera pas. Alors, genre le chrono, ça passe vite le temps, 45 minutes déjà. Un boule de feu voudrait brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqué? Je ne sais pas. Tais-toi. Non, tais-toi. On est presque à la maison. C'est dégueu ce qu'il disait. Oui, je sais, c'est chez moi, mais j'ai quand même tout saccagé. Parce que j'ai planqué des bonus, mais je sais absolument plus où ils sont. Je suis du muscle, pas un cerveau, moi. Les amis, on se quitte par là. Et puis on va se retrouver, bien entendu, puisque je vous le promets, le prochain stream, si je le publie, il va être bien. Mais il va être vraiment bien. Genre, vous voyez ce que c'est, un beau film bien réussi avec de l'action partout et du sang. Ça va être dans le même genre. Allez, viens le mioche. On va à la maison. Je vais te cuisiner un petit plat maison. Que je connais, qui demande beaucoup beaucoup de connaissances, qu'on appelle la raclette. Allez, chut, on y va.
Bon, faut pas qu'ils sachent tout ce qu'on met dans la raclette pour que ça ait un bon goût. Mais ça, ça vous regarde, vous et moi, pas le mioche. À bientôt.